3, 2, 1. La mission vraiment du club qu'on essaie d'inculquer, c'est d'axer l'expérience soccer avant tout axée sur le plaisir des jeunes. C'est vraiment ce qui nous drive le plus. Bien sûr, dans un environnement respectueux, sécuritaire et tout, mais vraiment là, de s'assurer que tout le monde puisse se développer, avoir du plaisir dans le niveau de compétition dans lequel, dans n'importe quel niveau de compétition, que ce soit local, régional, que tout le monde y trouve son compte. Puis quand je parle du club, on parle des membres du CA, on parle du directeur, des employés administratifs, techniques, des bénévoles. Tous poussent dans la même direction pour développer vraiment le sentiment d'appartenance des jeunes au club. On pense que si on réussit à ce que les jeunes aient vraiment une expérience sur le terrain très satisfaisante, ils vont avoir le goût de s'impliquer en tant qu'éducateur, que ce soit dans les CDC, que ce soit dans les camps de jour, comme arbitre, comme employé, comme stagiaire. On a le goût de créer le sentiment vraiment familial, une grande famille qui va faire en sorte que les gens vont avoir le goût de s'impliquer puis de rester au club soccer Boucherville. Donc, c'est des valeurs vraiment là, de redonner. Puis on le voit avec notre équipe première masculine, Senior 3, avec une implication très importante des joueurs envers les CDC. Ce sont des éducateurs en grande majorité, donc ce sont des ambassadeurs, et c'est ce qu'on désire créer, que les jeunes regardent des gens du 3, que ce ne soit pas juste une équipe qui vont voir performer à un très haut niveau, mais que ce soit aussi des modèles sur le terrain en tant qu'éducateurs. Et je pense que comme tous les clubs, on n'a pas le choix d'embarquer dans le bain en développant les CDC. Et je crois que c'était le nerf de la guerre de développer des bons CDC, puis on est très contents depuis, ça fait maintenant la deuxième année que les CDC sont en place. Et donc, c'est vraiment comme la philosophie de Soccer Canada le souhaite, de démocratiser l'encadrement du staff au niveau technique, tactique, physique, motivation, s'assurer que peu importe le niveau de compétition jusqu'à U12, U13, que tout le monde puisse bénéficier de cet encadrement-là, peu importe son niveau de compétition, parce qu'on ne sait jamais quand le potentiel peut se ressortir. Et depuis mon arrivée comme président au Club Soccer Boucherville, je pense que la réalisation dont je suis plus fier, c'est vraiment la mise en place d'un directeur sportif. La venue du directeur sportif, ça a complètement restructuré au complet notre club. Maintenant, on a vraiment un patron au club, un directeur qui dirige tous les volets d'activité. Et c'est davantage, ça ressemble davantage à une entreprise sportive avec toutes les spécificités d'une entreprise. On a nommé le directeur sportif Vincent Arcida, qui est en charge du club et qui chapeaute vraiment tous les secteurs d'activité. Et je pense que ça va assurer la pérennité du club à long terme, cette façon de faire-là, parce que ça permet d'interagir tous les secteurs d'activité ensemble sous la gouverne vraiment d'un directeur en place. On a la très, très forte ambition et la certitude que la prochaine évaluation qui a lieu quelque part au courant de l'été, qu'on va être reconnu au niveau provincial. C'est notre grande ambition et c'est le nerf de la guerre ici, au niveau de la région, là, pour le club, pour être capable de compétitionner avec les autres clubs, compétitionner entre guillemets, bien sûr. On n'a pas peur, on n'est pas gêné d'ambitionner à long terme avoir une reconnaissance nationale. On pense qu'on a tous les ingrédients pour qu'on puisse rayonner sur la scène provinciale notre club. On a tous les outils, on a le staff compétent, passionné, on a l'appui de la ville, on a des partenaires incroyables, on a le nombre de membres qui pourraient le permettre aussi.
Et je pense que ça va vraiment nous aider dans le futur avec bientôt le complexe intérieur qui va être érigé, qui va prendre forme dans quelques années. C'est pas officiel encore, mais on espère qu'il va voir le jour d'ici environ 3 ans. Mais il y a beaucoup d'enjeux qu'on ne contrôle pas, qui sont plus au niveau municipal, parce que c'est un complexe qui va appartenir à la ville. Ce qu'on a essayé de faire pendant un premier temps, ce qui était convenu en tout cas avec mes dirigeants, c'était de faire un état des lieux. Donc un peu une audite du club, voir qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qu'il fallait améliorer, les axes aussi qu'on allait développer, parce qu'avec le programme de reconnaissance qui s'en venait, ça devenait un petit peu fondamental aussi de restructurer le club en conséquence. Donc une mission principale aujourd'hui, il y en a 3 qui vont se voir jusqu'en 2023 pour restructurer le club. Un, c'est la partie ressources humaines avec justement stabiliser les personnes ressources, avoir des spécifiques à certains postes comme le nouveau responsable de la communication qui arrive au club notamment. Le deuxième volet, c'est un volet qui est sur la communication justement. Donc on sait que c'est un petit peu une des pierres angulaires de tous les clubs, savoir communiquer, passer les infos, puis aussi faire rayonner son club. Donc ça, c'est le deuxième axe prioritaire dans mes missions. Et puis on a aussi un axe qui est un peu plus général, qui est l'organisation justement générale du club, avec toutes ces sphères, de la planification annuelle générale du club à la partie plus spécifique d'ordre technique. On essaie vraiment de redynamiser ce secteur-là, qui est quand même une des forces du club depuis des années, le secteur féminin. Et donc l'idée, c'est surtout de le rendre pérenne tout en le développant. L'idée avec une équipe première qui va être la vitrine, c'est de donner encore plus de visibilité, mais cette équipe première, elle va être comme chez les garçons, la locomotrice du club, dans le sens où on a 17 membres de l'équipe première masculine qui s'engagent dans le club à redonner, dans l'encadrement. Donc ça, c'est une des missions prioritaires de cette équipe 1, c'est de donner envie aux jeunes joueuses d'un jour intégrer cette équipe-là et d'avoir des joueuses qui puissent redonner et donc faire de la rétention tout simplement d'éducatrice par le biais de l'équipe première. Créer une passerelle entre les jeunes et les équipes premières, les seniors, les adultes, c'est fondamental aussi dans le sentiment d'appartenance. Alors cette équipe première, c'est la première vocation qu'elle aura, c'est celle-ci. On a opté pour une solution interne qui va permettre encore une fois de valoriser le projet dans son ensemble. Je suis en charge de l'équipe masculine et je serai en charge de l'équipe féminine. Donc l'idée, c'est de continuer, si tu veux, à former à travers ces équipes 1. Donc j'ai un staff composé de très bons jeunes éducateurs. Le faire acquérir un peu d'expérience sur les terrains et puis peut-être que justement à un moment donné leur laisser un petit peu aussi le lead. C'est pas une déception et on n'est pas fataliste. C'est que à un moment donné on sait que pour entrer en PLSQ c'est pas évident, il y a un cahier des charges, puis les places sont limitées, donc après on ne maîtrise pas la décision finale. Nous ce qu'on essaye c'est de montrer qu'au niveau sportif, en tout cas, on a le niveau. Donc chez les gars, en étant champion LSEQ, on peut penser qu'on est légitime et qu'on a ce mérite-là au niveau sportif. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc écoute, c'est tout aussi enrichissant et plaisant que de briller en AAA. Peut-être d'avoir l'opportunité d'apporter le club dans un championnat canadien aussi. Donc encore une fois, c'est pas de la frustration, de la déception, c'est juste, on va dire, repousser dans le temps. L'objectif reste le même, d'être dans le plus haut niveau de compétition chez les jeunes et dans les équipes premières. Donc si c'est pas pour cette année, du moins l'année prochaine, ça sera peut-être pour l'année suivante. Il y a une réforme qui s'en vient aussi chez les seniors, donc forcément, en étant un petit peu au cœur de certaines informations, on va essayer juste de se préparer pour pouvoir intégrer cette ligue-là dans le futur.